Ouais. Je suis à Paris. On a travaillé avec des petits hélicoptères et avec des ballons. Et on a dû inventer beaucoup de choses et avec beaucoup de patience, surtout. Une des solutions était de filmer les abeilles avec un petit ralentissement. Dans la ruche, ils sont 3 fois plus lents que normal parce que les abeilles bougent très vite et on ne peut pas bien voir ce qu'ils font, mais avec 70 images par seconde, ils bougent un peu comme les hommes. J'ai su que c'est le moment de traiter ce thème qui est vraiment mondial et qui intéresse nous tous, parce qu'un tiers de tout ce qu'on mange est basé sur le travail des abeilles et les gens ne se rendent pas compte. Et 70% de toutes les plantes sont pollinisées par les abeilles. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des abeilles, c'était un monde à noir et blanc presque, et on mangerait très tristement.